2004, sa tâche consiste donc à créer des dossiers pour les passagers de cette compagnie aérienne dont un bagage a été retardé ou perdu. Pour chaque appel, il doit, en 6 minutes, confirmer le nom du client concerné ainsi que ses coordonnées et identifier le bagage en question, numéro, couleur, type. Il est chargé ensuite d'assurer le suivi du dossier en indiquant la personne intéressée, la localisation de l'objet recherché et son horaire de livraison à domicile. S'il se dit complètement satisfait par les clients, il reconnaît qu'il est basiquement payé pour être engueulé et avoue rencontrer parfois des problèmes avec des touristes parisiennes qui l'insultent avec des mots inacceptables. D'ailleurs, lors de son premier jour d'embauche, il a dû révéler son lieu de travail à une cliente originaire de Paris qui lui reprochait de n'avoir un accent ni français ni québécois. Celle-ci s'est alors énervée en lui disant qu'il ne retrouverait jamais son bagage sur le continent asiatique. Après de vaines explications, Sandy a été contraint de passer l'appel au chef d'équipe qui a tenté de rassurer son interlocutrice pendant 50 minutes. Mais les pires souvenirs sont largement compensés par les meilleurs, comme par exemple, lorsqu'à l'annonce de la localisation de la livraison prochaine de son bagage, une cliente a déclaré joyeusement à Sandy « Monsieur, je vous adore !» Finalement, ces cas extrêmes restent minoritaires, puisque, selon lui, 75% des interlocuteurs adopteraient un comportement normal. Quant à la pratique de la langue française, notre jeune pondichérien doit d'abord avoir été marqué par la différence d'accent entre français et québécois. Au début, il lui était impossible de comprendre le chiffre 1 prononcé « on » par un québécois. Il a découvert aussi que le vocabulaire utilisé n'était pas toujours le même des deux côtés de l'Atlantique, mais s'est vite adapté en jonglant entre autres avec le « ne quittez pas français » et le « ne bougez pas québécois ». Parfois, ce sont ses interlocuteurs qui se montrent surpris par son accent africain ou par les mots qu'il emploie. Un jour, un client l'a félicité pour sa parfaite maîtrise du français et son usage de vocabulaire littéraire. Ce monsieur avait compris qu'un fervent lecteur d'auteurs francophones pouvait se cacher derrière un téléopérateur d'Air Canada. Mais il n'est pas le seul, et certains clients vont même jusqu'à regretter de devoir parler de leur bagage avec un titulaire de MFrench si éloquent.